Bonjour Rose, je vous laisse installer le temps de juste alors qui est là, bonjour Nadine. Bonjour. J'ai un peu de place. Comment vous allez? Alors, je vous laisse le temps d'arriver. J'ai froid, j'ai chaud. Bonjour Fatou. Comment vous allez? Alors, reprise. La semaine dernière, oui. Désolée. Faux bon dernière minute, mais à faune. Voilà, un peu mieux. J'essaie de ne pas tousser. Bonjour Marie-Claude, merci. Bonjour Christine. Aïe, je vois que ça arrive. Coucou Marjo, j'ai eu ton message, mais j'allais rentrer au sport, je t'ai pas répondu, mais c'est ok. Hein. Et puis, je vois pas tout le temps les messages. Je suis désolée. En ce moment, ouais. Bon, je suis un petit peu à l'ouest. Alors, ah bah c'est gentil. Puis il n'y a pas de vous, hein. C'est ici on est toutes pour le même la même chose. C'est du scrap, c'est du plaisir. Ah, on se tutoie. Ça me prend encore 10 ans de moins. Oui, non, mais oui, Marjo, pas de souci. Alors. Oui, bah comme tu veux. Et quand tu peux, surtout. On sait toujours quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Coucou Christelle. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite carte technique. D'accord? Vous avez dû voir, je vous avais mis dans l'intitulé Coucou Laurence. Des dimensions, et voilà, c'est quelque chose de très simple. Il faut être peut-être un petit peu plus équipé, mais elle est facile à faire. Mais voilà, comme je vous ai dit, il faut avoir un peu plus d'équipement. Mais voilà, avec le temps, dans 15 jours, coucou Brigitte, dans 15 jours, c'est la fête des mères, donc voilà, des idées cadeaux, on arrive toujours à être équipé ou à s'équiper tout doucement. De toute façon, que vous dire de plus? Ah ouais, je sais Marie-Claude, c'est pas évident. Moi, il y a des fois, il y a certaines personnes, ça passe facilement, mais avec d'autres, je peux pas faire autrement que vous voyez. Ça, c'est... Avec les personnes avec qui je m'entends super bien, le tutoiement va venir tout de suite. Bah avec les personnes que ça accroche pas, ça sera un vous du départ jusqu'à la fin. Donc là, vous dire que jusqu'à fin mai, il y a toujours la promotion pour devenir hôtesse. Vous savez que Stampin' Up! Offre 82 € en plus de votre kit de 175 € de produits, mais qui vous coûte que 129 €. C'est-à-dire que pour 129 €, vous avez un kit de démarrage de 175 plus 82 €. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est jusqu'à fin mai. Après, des promos produits. Pour le moment,
Il n'y en a pas parce qu'on a eu une nouvelle, on a eu la sortie du nouveau catalogue. Donc voilà. Donc il n'y a pas pour le moment pas de nouveaux produits. Pas de nouveaux. Ah! Ah oui, pas évident ça. Et voilà. Donc pas de promo au niveau des produits, si à moins que j'ai loupé une info, mais je sais, je pense pas. Il y a, vous pouvez à partir de, vous pouvez, voilà, maintenant la, notre plaque magnétique, je l'avais mis sur ma page, la plaque magnétique pour la grande machine de stamping découpe est sortie, d'accord? Donc, vous pouvez la commander. Que vous dire? Bon, il y a le nouveau code hôtesse, d'accord, qui est du mois de mai, c'est pour toutes les commandes que... Si votre commande ne fait pas 200 euros, vous prenez mon code hôtesse, vous avez un petit remerciement le mois suivant. Si votre commande fait 200 euros, vous ne rentrez pas ce code hôtesse, vous choisissez tout seul, comme une grande, vos produits. Ta, ta, ta. Alors, aujourd'hui, une carte, mais beaucoup de matériel, on va dire. Je ne vais pas vous faire peur, mais beaucoup de matériel. Mais je pense que la plupart de... De toutes, vous êtes déjà équipées. Alors, le temps que je tourne la caméra, eh ben, on va partir après. Je suis dans les vapes complets. Dans les vapes. Alors, je tourne. Je n'ai pas installé mon pied, alors en espérant que. Hop, dans mes mains. Là, on est dans mon plafond. Alors. Vous tournez, vous verrez mieux. Bon, vous avez vu le projet, ça c'est fait. Alors, je touche même plus mon pied parce qu'il tord dans tous les sens. Si je vais juste un petit peu me décaler parce que je vais bientôt être par terre. Voilà. Alors, Evelyne, elle se trompe d'endroit. Evelyne, il faut que tu ailles sur ma page et pas sur Messenger. Sacrée ligne de la main, ah bon? Mes lignes de la main, ouais, elles sont bien prononcées. Alors, le code hôtesse, d'accord, mais vous le voyez aussi sur ma page Facebook. Je l'ai mis dans l'intitulé aussi. D'accord, donc ça... Orange. Je vous montre le projet. Oh là là, c'est tombé. J'essaye de vous rééquilibrer. Alors, voilà le projet. J'ai tout mon téléphone pour que je sois en face. Mon projet. Alors, j'ai fait ce projet avec la collection Rose d'Abigail, ou Abigail tout court, je ne sais plus. Rose d'Abigail. D'accord. C'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est, bon, pas vintage, mais vraiment une jolie collection. Des couleurs douces, bon, je trouve. Bon, c'est pas des couleurs qui pétarade, hein. Pétale rose, couleur café, brune dune, très vanille, ardoise bourgeoise et noir nu. Mais c'est doux. Moi, je trouve que c'est très, très doux. Du joli papier, des jolies découpes, des... Voilà. Des tampons qui sont vraiment... Tampons mousse. Et vous avez ces découpes-là. C'est... Ces tampons, donc on va se servir de ce tampon là avec des jolis messages avec de belles calligraphies, des découpes qui sont très fines. Là, je n'ai pas tout enlevé, mais qui sont très fines. Là, vous pouvez tamponner la rose, là, vous tamponnez la feuille, d'accord, et là, c'est assez délicat. C'est une... comment ça s'appelle? En fait, les trois fleurs là, vous les tamponnez là. D'accord? Cette fleur là, elle est tamponnée là. Après, c'est plein de petites fleurs, machin.
Mais c'est soit vous évidez, d'accord, que vous pouvez poser sur un papier soit uni, soit un peu un papier, comment vous dire, faux uni, d'accord, ça vous fait des jolies découpes. Ou alors vous faites comme là, vous découpez avec deux papiers différents et vous replacez à l'intérieur. Voilà les découpes qu'on a. Alors, des découpes qui passent aussi bien dans la petite que dans la grande machine de découpe. Et je n'ai pas pensé, je l'ai là sous la main vite fait, mais je n'ai pas tout découpé, mais je veux juste un petit peu le style de papier qu'il y a. Vous voyez, c'est vraiment du papier très... Ouais, moi je dirais un peu vintage, un peu... Alors, les fleurs, hein, pour, si vous n'aimez pas les fleurs. Et après, de l'autre côté, voilà, on a du motif quand même. Mais il est sympa. Moi, je trouve qu'il fait... Ouais, exact. Exact. Brigitte, au rayon. J'ai du mal. Ce dice là, le gros, peut-être pas le gros, hein, Brigitte, je sais pas. Non, pas celui-ci, non, pas celui-là. Il y a ce dice là, celui-ci là, Isaac de le préciser, toi. Ce dice là, il découpe un papier. Mais lequel? Ben, je sais pas. Si, c'est... Mais non. Alors, ce dice-là, normalement... Ouais. Alors, ce dice-là, il doit découper... Là aussi. Il découpe un papier. Mais c'est pas celui-là. Attends, c'est lequel? Bon, bref, il faudrait que je retrouve. Si je retrouve, je vous remettrai une photo. Mais vous savez que sur beaucoup de... Maintenant, Stampin' Up! Essaye que nos dice découpent notre DSP. D'accord? Alors, vous savez... Mais je sais plus quel est notre... Quel papier découpe. Faut que je le retrouve. Alors, on va se servir de notre... Hop. On va faire de l'embossage à chaud. OK. On va faire du tamponnage avec notre tampon... Bonjour Marie-Dominique. Avec notre tampon classique. Et on va se servir de notre Stamparatus. Alors, je vais prendre mon café en même temps. Okay. Alors, on va commencer par tamponner. Je vous avais demandé. Alors, je l'ai déjà préparé. J'ai besoin que... On a besoin. Alors, sur le Stamparatus, est-ce que certaines ne connaissent... Là, sur le deuxième, je n'ai pas vu. Je regarderai, Brigitte, merci. Bonjour, Sylvie. Est-ce que certaines ne connaissent pas le Stamparatus? Bonjour, Gigi. Alors, en fait, le Stamparatus, c'est beaucoup peuvent le connaître sous le nom de presse à tampons. D'accord? Chez Stampin' Up, on dit Stamparatus. Quand vous le commandez, vous avez deux plaques amovibles. Ok. Vous avez un tapis pour tamponner, pour rajouter une petite épaisseur quand c'est des tampons clear, vous savez, les tampons transparents. Quand c'est un tampon mousse, vous n'en avez pas besoin. On enlève. Vous avez, attention, deux aimants.
Et quand je vous dis attention, c'est vraiment deux aimants qui voilà, c'est des super aimants. Alors ceux qui ont une pile au cœur, je crois que c'est fortement déconseillé de se servir du Stamparatus. Alors moi, ces aimants, je les ai emballés, on va dire, dans du tissu, dans du ruban, parce que j'en ai déjà. Bon, au catalogue, on peut les racheter, ces aimants, mais ouais, ça fait râler quand même. Parce que s'ils s'entrechoquent entre eux, je vous préviens, moi j'en ai eu un, il a explosé. Et quand je vous dis, vous voyez, même de là, je sens déjà la résistance entre eux, quoi. C'est l'attirance entre eux, c'est vraiment. Donc, mettez-les bien. Moi, voilà. Moi, je les ai protégés en les enroulant dans du tissu. Et c'est beaucoup plus simple en plus à prendre dans du ruban, vous voyez. Donc, ils se rangent là derrière. Mais attention, quand ils se rencontrent, c'est, on va dire, c'est l'amour fou entre eux. C'est même plus que fou, hein. Parce qu'alors, ils explosent. Moi, j'en ai un, il a explosé. C'est sur la feuille. Alors, je veux voir avec Brigitte parce que je voudrais. Ça, celle-ci, Brigitte, on est d'accord? Et c'est celui-là. Mais comment tu veux le découper, le dies est plus petit? Je sais qu'il y en a un qui se découpe. Mais où? Tac, tac, tac. Bon, Sylvie, elle nous est. Brigitte nous explique. En direct. Alors, est-ce que c'est celle-ci que le die se coupe? Non, pas celui-là. C'est pas celui-là. Bon, c'est lequel? Ça, oui, ça découpe les petites fleurs, je suppose. Pas celui-là non plus. Pas celui-là non plus. Il me manque un. Ben, je les ai pas. Bonjour, si ça scrape. Oui, lequel? Oui, tu m'as dit oui pour celui-ci? Non. Je crois qu'on va pas y arriver, ma vie. Ça peut pas être celui-là. Celui-là, ça découpe les petites fleurs. On est bien d'accord. Attends, puis encore, je suis même pas sûre. Non, non. Bon, tu sais quoi, Brigitte? Tu m'enverras une photo. D'accord. Celui qui a l'écriture derrière. Ah, celui-là, là. Oui. Et il découpe lesquels? Moi, je croyais que c'était celui-là, mais non. Ok, d'accord, j'ai compris. Merci Sylvie. Brigitte, en bas, je vais t'appeler Brigitte. Voilà. Merci Brigitte. Vous voyez? Le grand découpe toutes ces petites fleurs. Mais il me semblait. J'ai compris. Mais il me semblait qu'avec celui-ci, on pouvait aussi découper un papier. Non? C'est pas dans cette collection? Ben, je pouvais chercher, c'était. Ok. Donc, le papier, celui-ci, vous avez, c'est un petit peu un agenda, memory. D'accord? Vous pouvez, tiens, quand je vous dis que mes aimants, vous pouvez découper. Voilà. Vous voyez là? Bon, je suis pas très, très droite, mais vous pouvez découper. Nickel. Voilà, bon, ben, vous avez eu la réponse en direct. Merci Brigitte. Décidément. Et ça n'est pas assez drôle, donc ça tombe. Bon, bref. Alors, je disais donc que faut faire attention à ces deux aimants. On va commencer par. Je vous avais demandé un papier vanille. Un papier vanille qui fait 14,85 par 10,85. Alors, j'ai mis mon tampon sur ma plaque. Ok. Pour éviter de casser les charnières. Alors, je vais essayer de vous remonter pour qu'on soit. Hop.
peu plus haut pour que vous voyez mieux, pour éviter de casser les charnières. Moi, quand je tamponne, je mets mon boîtier comme ça, il est à plat. Alors, je regardais. Ouais. J'ai pris ce tampon là, d'accord. Je vais mettre. Ah, et puis je vais me servir aussi avec le Stamparatus qui est très bien. C'est la chamoisine. Bon, là, elle est tachée. Elle est tachée, mais elle n'est pas. Ça ne l'abîme pas. Hein. C'est l'encre qui reste tachée, mais c'est toujours. Alors, je coince mon papier dans l'angle. Je mets un aimant là. Je vais mettre un aimant comme ça. Quand c'est des tampons mousse, ça, voilà, vous pouvez y aller. Alors, moi, Isa, mon Facebook et Isa Cuisine Fille. Ah, d'accord. Alors, coucou Isa. D'accord, et ben, nickel. Je vous disais donc que les tampons transparents, les tampons clear, quand on tamponne, et ben, il y a des fois, ça fait remonter notre. Notre papier, ça le bouge. Alors, repérez bien où vous casez votre, vos papiers. Sachant que vous pouvez déposer, on a des tout petits sets à Stamparatus de cette dimension. Et vous pouvez écrire dessus pour voir où vous avez bien positionné votre... bonjour Christine. Où vous avez positionné votre papier. D'accord. Donc là, moi, je vais tamponner mon papier, mon papier vanille en brune d'une. Okay. Alors, moi, j'ai la fameuse, parce que je trouve que les nouveaux encreurs, ils sont plein. Donc, moi, je repousse un petit peu l'encre au fond. Donc, avec une cuillère, je repousse. Je n'enlève pas l'encre. En fait, quand j'appuie, vous voyez, ça fait très peu d'encre. Quand j'appuie, je pousse l'encre au fond. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le Stamparatus, si jamais il y a des endroits où vous n'avez pas tamponné comme il faut, vous revenez, comme votre papier ne bouge pas, votre tampon ne bouge pas, vous revenez, voyez, là, je n'ai pas tamponné comme il faut. C'est pas grave. On va remettre un peu d'encre. Et on tamponne. Alors, j'en remets un peu. Alors, comme ça, l'encre, elle revient où vous avez tamponné. Là, on touche rien. Un petit coup de... le chamoisine, je ne touche rien. Mon papier, je prends mon papier, hop, je lui fais faire quart de tour, un demi-tour, tac, et je laisse mon papier sur mes tampons au même endroit. Bonjour Catherine, je retamponne. C'est pas grave si ça se superpose. Hop. Je vais retamponner un peu. Voilà, d'accord. Donc là, l'encre brune d'une, on peut la ranger. On la range. Je tamponne comme ça. Bon, je nettoie. Ok. Je vais retirer mon papier vanille. Je mets de côté.
Je reprends. Bonjour Jocelyne. Je reprends mon papier brune dune, la même dimension, 14,85 par 10,5, que je remets au même endroit. Okay, hop. Alors, là, il faut surtout, surtout bien placer votre papier au même endroit que vous avez placé votre papier vanille, le premier. C'est pour ça, moi, je l'ai mis dans le coin. Okay. Là, je vais venir avec mon encre Versamark. Alors, l'encre Versamark, vous savez que... je suis en train de chercher ma petite boîte à Versamark. Vous savez que l'encre Versamark, au bout d'un moment, bon, l'encre, elle, c'est comme toutes les autres encres, je suis là. Elle s'évapore. Pourquoi elle s'évapore? Au bout d'un moment, voilà, on a de moins en moins d'encre. Eh bien, c'est pareil. On a un recharge, on a une recharge. Vous en mettez. On était vraiment. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une encre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Elle est assez. Elle est très épaisse parce qu'elle est collante. Là, pareil. Je l'étale. Alors, cet encreur, il y a très très longtemps que je l'ai. Il est sale parce que je ne sais pas. Voilà, à force. Je pense que c'est un peu de la poudre qui va dessus. Mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, votre encreur est rechargé. Alors, je mets comme ça. Par contre, celui-ci, autant les encreurs de couleur, en fait, pour vous voir, savoir lesquels, les encreurs ou les couvercles sont accrochés. D'accord? Que vous ne pouvez pas l'enlever. Vous les rangez bien dans ce sens. Tous les encreurs où le couvercle est amovible, vous les rangez à l'envers. Alors, je tamponne. Je peux voir où il y a de l'encre et où il n'y en a pas. Soit là, moi je fais étape par étape. On va mettre un petit peu de. On prend une feuille de brouillon pour récupérer, vous savez, notre encre. Et il y a une chose que j'ai pas fait parce qu'on l'a pas au catalogue, mais normalement il faudrait le faire. On passe le petit embossing body. Alors, vous pouvez y aller généreusement. Hein. Boulette, j'ai tout fait tomber. Est-ce qu'on récupère le bébé? Voilà. Je laisse comme ça. C'est pas grave. On décore tout ça après. Hop! J'enlève parce que ça va me gêner. On récupère la poudre qui est en plus. Je fais mon petit ménage. Hop. Là, ça va faire un tout petit peu de bruit. Voilà. Le pistolet à embossage. Oui, c'est cuivre, exact. Bonjour Andy. Une fois qu'il est chaud, attention, il y a deux vitesses. Hein. Une fois qu'il est chaud, je vais essayer de... Attendez. Il me semble qu'il y a de la poudre un peu partout. J'ai tout fait tomber. Je regarde. Voilà. Et là, on va voir... Si vous allez voir se transformer, vous voyez, on voit la différence entre quand c'est embossé et pas embossé, quoi, chauffé. En fait, on catalyse la poudre
sur notre papier, on l'a fait fondre sur notre papier. Et ça fait un relief. Ok. Et là, donc je l'avais tamponné comme ça. Je refais exactement comme tout à l'heure sur mon panier. Je vais mettre. Il me manque un aimant qui, je ne sais, tiens, collé à mon pistolet. Alors, j'ai la poudre partout. La poudre. Alors, je remets. Hop. Et là. Dans mon angle, d'accord, je vais retamponner en versamat. Alors je vous disais que on peut passer ça pour pas qu'on ait de l'encre, de la poudre partout, c'est à dire que où vous passez votre petit coussin, c'est du talc, la poudre collera, parce qu'en fait quand vous mettez vos empreintes de doigts, la poudre elle colle. Donc là c'est pour enlever l'effet statique de votre papier. Mais on l'a plus au catalogue. C'est bien dommage. Alors là, on refait pareil. Bon. Par contre, vous voyez ce que j'ai fait? Je sens qu'il y a du... Les aimants étaient trop... Voilà. Je regarde. Il n'y a pas assez d'encre. Là, on a assez. Hop, je prends mon papier, le stamparatus. On peut le pousser, on en a plus besoin. Hop, je remets ma poudre où j'ai tamponné. Là, je récupère ma poudre, il n'y a rien de perdu. Hein. Et, ça. Et là, de nouveau, je rechauffe. Besoin de tout ça pour le moment. Là, on va maintenant. Alors, je regarde si j'ai des messages. Bonjour Annette. On va superposer notre petit morceau de murmure sur notre morceau de vanille. Ok. Donc, je veux qu'une bande. Donc, on va, aïe, 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 déchirer notre papier. Attention, il y a un sens pour déchirer votre papier. Je veux une bande. Alors, peu importe, hein, on va au pifomètre. Hein. Vous déchirez dans... En fait, vous avez votre dessin sur le dessus. Okay, vous allez déchirer dans ce sens. Vous allez enlever le haut par le bas. En, quoi, vous allez enlever cette partie de droite par le bas. C'est-à-dire, je ne calcule pas du tout où j'enlève. Hein. Je vais vous montrer pourquoi après. Il faut le faire dans ce sens. Parce que je veux cette partie. D'accord? Donc, je veux de l'encre jusqu'au bout. Vous voyez, le bas, la partie droite que j'ai tirée sur le bas, là, il me manque de l'encre. Ok?
Donc là, je détourne mon papier et je fais la même chose. Je fais la même chose. Voilà. Je vais un petit peu remettre mon papier droit. Voilà. Et là, c'est pas la partie la plus compliquée, loin de là. En fait, il faut retrouver maintenant. Il faut vraiment mettre nos deux papiers au bon endroit. Il ne faut pas qu'on voie la différence. Coucou Marie-Christine, il ne faut pas qu'on voie la différence entre là. C'est pour ça déjà que votre papier, je vous dirais, mais je l'avais pris un peu plus grand. Alors, il faut vraiment trouver. Là, ça m'a l'air bon. Là. Là, moi, ça m'a l'air bon. Là, c'est la partie un petit peu. Alors, ça va bon. Alors, si c'est bon, ce que vous faites, je revérifie comme il faut. Après, avec la colle, vous repérez un peu. Et après, avec la colle, vous savez que vous pouvez bouger. Je vais remettre là. Parce que là, c'est bon. Là, c'est bon. Bien sûr, en direct, on n'y arrive jamais. Attendez. Non, c'est pas bon. Pourquoi j'y arrive pas, c'est faux. Alors là, voilà, c'est parce qu'en fait, ouais. Je l'ai bien mis dans le bon sens, on est regardé si je ne l'ai pas mis à l'envers. Ben, voilà, il faut retrouver. Voilà, quelle bourrique. Je ne l'avais pas mis dans le bon sens. Est-ce que là... Non, c'est pas ça. Ben, je ne vais pas y arriver. Bonjour Betty. Là, c'est comme ça. Là, ça m'a l'air d'être bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, et bien... Là, c'est bon. Mais pourquoi il ne va pas? Bien sûr. C'est en live. Que ça ne va pas. Bonjour Diane. Pourquoi mon papier? Alors, on va repartir. Comme ça, il était. On va repartir. J'arrive pas à retrouver, je sais pas pourquoi. Comme ça, donc ça c'est dans le bon sens. Donc ça, si là c'est bon. Là c'est bon. Et là. Là, c'est pas bon, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi dans un sens c'est bon et dans... Non, non, c'est pas le post-it, c'est... Mais attendez, je l'ai faite tout... Je l'ai faite ce week-end, ça allait.
Et là, ça va pas. C'est que je comprends pas. Ça commence à me... J'en suis sûre que je ne le prends pas dans le bon sens. Je suis presque sûre. Ça, si je prends là. Là, si je mets comme ça. Eh ben, bravo, Steph. Tiens. C'est ça que je comprends pas. En plus, mes papiers sont... Je reprends comme ça, comme ça. Là, ça devrait être pareil. C'est ça que je comprends pas. En fait, je me mets la pression alors que tout est bon. Hein. C'est comme ça. Hein. Ben voilà, il est là. Il est tout là, donc là je colle. Il est facile. Hein. Alors on remet. On met de la colle. Là, je mets de la colle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai mené dans mon projet. Là, il faut mettre. Voilà. Comme ça, on reprend vraiment la place de... Vous voyez ? Chaud d'un coup. Non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout. Bon, je ne suis pas très précise de ce côté-là. Bon. Comme ça. Regardez, je ne sais pas où est mon projet. Regardez, on tombe vraiment pile poil. Donc, je ne sais pas pourquoi... Là, je tombe. Là, c'est tout bon. On va y revenir. Mon papier, après, on prend la base. On prend la base. D'accord ? Il fait 14,85 par 10,5. Donc, la même que ça. D'accord ? Donc là, je préférais diminuer quand j'avais collé mes deux projets. L'un sur l'autre. Donc, on va enlever un petit bout à chaque fois. On va enlever un petit bout à chaque fois. Là. Alors, on enlève de chaque côté. Hop. Là. En fait, il faut que vous retombiez. Bon, avec mon ciseau. À 14,35. Et là, je veux coupe. Il faut que ça fasse 10 là. D'accord? J'enlève de chaque côté pour. En fait, j'enlève 0,25 de chaque côté pour équilibrer mon papier. Hop. Quand je vous dis que j'étais dans la. Ça se moule aujourd'hui. Bon, je mettrai bien de la colle au bord, là. Et comme ça, on peut coller sur ce morceau. Coller comme ça. Moi, je l'ai collé à plat, carrément. Et puis, j'aurais dû, je peux penser... Attendez, j'ai un petit ciseau. Il faudrait un ciseau. Petit papier. Hop. Bonjour Viviane. En fait, c'est un petit peu, c'est un petit travail de précision. La première, paf, je l'ai posée. J'ai trouvé. Là, celle-ci, je pense que c'est effet live hein, à chaque fois. Après, moi, je suis venue découper. Ben, là, je peux le faire avec vous parce que c'est la petite machine qui découpe. Je suis venue découper celle-ci. Bonjour Agnès. Avec la petite.
notre petite machine de découpe qui va très bien. Alors, j'ai pris papaye pâle. Bonjour Viviane. Et on travaille avec le avec la collection Rose Abigail. Découpe. Hop. Vous voyez la petite machine, la stampine découpe là, la baby. Alors, après, c'est soit vous enlevez tout, soit vous n'êtes pas obligé. Et des fois, moi je laisse un peu des plats, ça peut faire joli. Avec ça, ce qui serait bien, c'est que je prenne mon équipe au complet. C'est toujours plus pratique, alors que je le fais à main. Bon, moi, je me prends pas la tête. Hein. Ce qui va se découper, c'est découpé. Ça restera. Je viendrai après découper une petite, un petit sentiment hein, qui est aussi dans, cette collection. Ok. On colle quelques, comment? Alors, pas de perte. Hein. Petit sentiment, on va le faire ensemble dans quelques temps. Je prends l'autre côté si vous ne voulez pas vous en servir. Hop! Embossage pareil. Je suis en train de chercher. Ben voilà. Qui cherche où, hein? Tiens, c'est quoi celui-là? Cœur. Non, je vais mettre celui-là. Le cœur à la tête. Ah, c'est pas dit qu'il rentre dedans. Ah, il rentre pas dedans. On pense aussi à nos petites découpes. Bon, bah, je reprends le même. Hop. Un petit peu d'embossage. En fait, c'est l'effet de la déchirure, mais je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas précise. En fait, il faut quand même être précise, mais sans le vouloir vraiment. Hop, le petit. On récupère. Pas de perte. On ferme. Je lis vos messages en même temps. Coucou Delphine. Une fois que vous voyez que tout est fondu, vous arrêtez, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Après, vous laissez refroidir un petit peu. Je reprends ma petite machine de découpe. Là, alors, pour être un peu plus centré, parce qu'il rentre pile poil, bien sûr, je ne l'ai pas sous la main, je mets, moi, du post-it. Pour être... je mets... Non, je suis peut-être hors champ, mais... Hop.
comme ça. Et on tourne. Et je viens nettoyer ça parce que j'ai de la poudre partout. Comme ça, je mettrai mon petit message là. Je vais pouvoir mettre soit dans ce sens, soit dans celui-ci. Comme ça. Petite. Là, nous prenons les petits. Hop. Vous verrez, j'entasse tout là. Hop. Je vais mettre. Oui. Ouais, je pourrais mettre avec un. Je mettrai dessous des glue dots pour que ça tienne. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre. Tiens, si on met, tiens, je vais mettre cela, champagne. Là, cela comme ça, et ben, j'aurai plus que là à faire le petit tour. Le petit tour de ma hop. Hop. Alors, un petit peu caché, c'est pas grave. Et hop. Voilà. Je vous fais un peu de ménage pour que je vois que mes projets. Là, je ferai, vous voyez, là j'ai fait un petit point de couture, on va dire. Petit zigouigoui autour. Là, je ferai pareil avec celui-ci. Peut-être que je changerai de, ouais, de couleur. Ça fait deux cartes avec vous voyez, l'embossage. Je ne sais pas si vous voyez que c'est embossé. Je vous montre si ça brille. Ouais, on voit. Restera à décorer. Ben là, j'ai décoré l'intérieur. Okay. J'essaie de m'y tenir maintenant. Automatiquement, ma petite signature derrière. Ah, celle-ci, je l'avais mis entre deux. Bon, pour celle-ci. Là. Voilà, voilà. Deux. Ça permet de ressortir un petit peu le Stamparatus pour celle qui l'oublie au fond du tiroir. Merci Betty, je bois un coup en même temps. Je tourne la caméra et la poudre partout. Bah, en fait, elle c'est simple, c'est pas. C'est. Je trouve que ça fait son petit effet. C'est pas compliqué quoi. Je vous tourne la caméra. Hop.
J'essaie de ne pas couper parce qu'à chaque fois. Voilà. Ça fait son. Voilà. Ça fait vraiment. Il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Vous voyez ? Vraiment. On voit l'embossé ou l'embossage. T'as raison Christelle, fais ton projet pour samedi. Chez Stampin' Up, là, parce que c'est Christelle qui parle, c'est une de mes clientes. Samedi, bon ben voilà, premier atelier du catalogue. Merci Brie. Chez moi. Donc j'ai invité des clientes, celles qui pouvaient être là. Et en ce moment, Stampin' Up nous demande de partager vos moments en scrap. Donc, je leur ai demandé de faire toute une création, toutes celles qui seront présentes à l'atelier, de faire une création, peu importe ce qu'elles veulent, d'accord. On mettra tout ça dans un petit panier, et puis après, je vais pas dire qu'elles vont choisir, parce que c'est trop, après, voilà, je trouve que la dernière, elle est un peu lésée, donc dans ces cas-là, je pense qu'il y aura certainement une main innocente qui traînera autour de l'atelier par chez moi. Hein. Et je donnera après, au fur et à mesure, une création que chacune aura fait, donnera une création à une autre. Et chacune arrivera avec une création faite et chacune repartira avec une création d'une copine. Voilà. J'aime bien des fois leur lancer des petits défis, des petits. Voilà, c'est pas du travail, mais voilà. De temps en temps, je leur lance des petits trucs comme ça. Que c'est sympa. Au moins, le jour de l'atelier, il n'y a pas que moi qui me casse la tête à chercher des idées. Voilà, voilà. Bon, désolée pour ce petit remue-ménage de cette... parce que je sais pas pourquoi je me suis mis une pression à trouver, alors que... Mais bon, c'était... Ouais, ça va être sympa. Brigitte, j'essaie. Et puis, c'est toujours... Moi, je trouve qu'elles s'éclatent de faire ça, elles sont contentes déjà. Mais personne ne dit rien, et voilà. Et c'est toujours un plaisir. Puis ça donne des idées, c'est ça qui est bien, c'est ça... Ça, c'est le partage, ça donne, tiens, toi t'as fait ça, ah ouais, moi j'aurais pas fait comme ça, machin. Et voilà, c'est, voilà, c'est plus ça nous, puis moi j'aime bien savoir que mes clientes se servent de leurs produits, et ça, elles le savent, j'y tiens énormément, vous achetez, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour vous faire plaisir vous, donc il faut que vous scrapiez, donc voilà, j'aime voir le matériel qu'elles achètent, j'aime le voir travailler. Voilà, voilà. Alors, que vous dire de plus? La semaine prochaine, pas d'atelier, je suis en vacances. Donc, tous ces cœurs, j'adore. Je suis en vacances, ça va être une semaine par obligation, on va dire. Une semaine de repos. Donc, ça sera relâche au niveau de tout ce que j'ai l'habitude de faire de mes 10 doigts. Hein. Et ça sera, Lecture. Hein. Donc, j'espère qu'il fera beau quand même. S'il pleut, c'est pas grave. Mais voilà. Non. Normalement, l'été est parti pour du beau. Donc, ça veut dire que là, samedi, c'est mon atelier. Et à partir de dimanche jusqu'à dimanche d'après, c'est relâche total de tout. Je vous dis... la semaine du, je sais pas, on sera peut-être on sera peut-être le 1er juin, je crois, ça doit être un truc comme ça, hein. Donc je vous dis au 1er juin, merci à toutes, n'hésitez pas si vous voulez des informations, si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, vous savez que vous pouvez toujours trouver, j'avais épinglé ma braderie sur ma page, mais elle est toujours, merci Delphine, mais elle est toujours en cours. Hein, tant qu'il y a des produits, elle restera en cours. Hein, il faut tout vider.
Je vous souhaite un bon après-midi. Merci de votre fidélité. Je poste la vidéo sur ma page YouTube. Hein. Vous savez que vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Et puis, je vous dis eh bien, au 1er juin. Ça doit être ça, 29, 30, 31. Ouais, c'est au 1er juin. Je vous fais des bisous à toutes et à bientôt. Merci, merci. Bisous, bisous.